Salut Kiki, c'est Mani et Léo. Et aujourd'hui, on va tester les Cacapit Warrior sur le Sledge Super Light. Et on a des Ovonic 3 et 6005 à bord aussi, pareil, pour continuer à les tester. Dont les résistances internes sont bien plus petites que les DXF sortis de la boîte, même après les quelques premières charges. Donc là, comme dit, ça ballonne un petit peu, ils sont assez souples, ce qui fait qu'on décolle du nez, qu'on perd un peu le contrôle si on lâche trop tôt. Voilà. Là, on a un bon petit missile. Hein. Alors, mais là, c'est dommage, l'herbe elle est un peu haute là. Parce que quand elle est tondue, là, on arrive à traverser sans problème. Mais ça ralentit la machine, tu sais, comme elle est haute. Bah, après, je me suis arrêté à mieux, parce que là, d'habitude, j'aime pas trop être ici, parce que je m'embête un peu, quoi. Il y a une différence entre... C'était le but. Donc comme prévu par rapport au pneu truggy, les roues sont un peu plus... ils ballonnent un peu, c'est un peu plus mou, l'engin est plus funky à piloter. Ça reste suffisamment précis pour rouler en conditions normales, sur moins que les roues truggy. Une petite moto passage. Elle peut aller très loin. Ouais, ouais, jusqu'à ce que tu la vois plus. Ouais, on va atterrir un peu là-bas. On se mettra à l'autre bout. Caramba! Fait du rodéo. Sur de l'herbe qui bouge même pas. Ouais, là il y a de la place, fais attention, je vais essayer de sauter là. Je vais essayer de traverser là. Comme là elle s'est tondue. Tiens, on m'a piqué le ballon tranquillement, regarde. Ah, si tu veux le bouger en fait, tu freines, tu vois. Toc. Tu vois, si tu touches le ballon et tu freines, au moment que tu arrives dessus, tu peux l'envoyer. Sinon, tu le pousses et après tu passes au-dessus. Tiens, on va lui faire peur à lui. C'est quand même limité à 20 à l'heure, hein, ou 30. Hein. Quoi ? C'est quand même limité à 30, t'as vu, il a essayé, il voulait accélérer. Oui, il a pas accéléré. Chou ? Non mais c'était le but, hein. Après il me connaît. Hein. Je fais le coup à chaque fois. Chaque fois qu'il arrive là, ça...
Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre? Attention. Ah, je suis à l'envers. Si, si. Bah, la caméra elle filme en grand angle. Donc, normalement, t'es dessus. Hein. Non, quand je me suis jeté là. Ouais. Non, moi je parlais quand je déballais à la porte après m'être jeté. Ça peut-être aussi. Elles sont trop étanches, mais sont chaudes, du coup elles glissent. Oh, je sais pas ce qu'elle s'est pris. Oh, une motte. Elle s'est pris quoi? Une grosse motte d'herbe. Une mouette. Une mouette. Ah, celle-là, là, faudrait l'avoir en vidéo. Et encore, tu pourrais même pas la mettre parce que tu aurais les amis des oiseaux là qui t'attaqueraient encore en justice. Il suffit que c'était encore une mouette femelle, là, je te dis pas. Ah. Raté. Là, on mettra la vidéo en avance rapide. Et comme ça, si on parle pendant la vidéo, ça fera. Non, 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 non. Une vis sur la direction. On va retourner tout là-bas. Oh, après, ouais. Tiens, c'est gratuit. C'est surtout méchant. La salade après le repas, c'est important. Bah ben non, c'est bon, il faut manger de l'herbe après. Mon chien, il en mange, mais moi non. Ben, c'est important les légumes. Faut pas avoir peur de l'herbe, le bœuf que tu manges, il mange toute sa vie de l'herbe. Ça fait de la bonne viande. Ah, les pissenlits. Ah non, pas ce coup-ci. Bon, faut freiner dessus alors. On va mettre la roue avant. Il y en a trop, je suis puissant. Il y avait du miette. T'as vu comme. Mais t'as vu l'herbe haute comme ça, l'a arrêté net, regarde ça. Tu vois là, regarde. Justement, j'ai envie de te dire, là je m'en suis pris plein. T'as vu ça comme ça, l'a arrêté là? Oui. La vache. Pas sous-estimer la force de l'herbe. Ah, le chien aussi, il est chaque fois content qu'il nous voit. Regarde-le. Regarde, maintenant il veut jouer avec. Là, si j'étais pas sympa, j'aurais mis un coup de gaz de l'autre sens, le chien, pst, et la personne qui tient la laisse, pst. Ha ha ha.
Je viens d'esquiver ton vélo. Ça va, je suis passé au-dessus. Elle a rebondi par-dessus. Ah, tu m'as eu. Ça, c'est l'arroseur arrosé. Un point pour toi. Ouais, après la GoPro elle fait des petites boucles de 5 minutes et après tu dois les réassembler. C'est pour éviter si ça bug, tu sais qu'il te manque toute la vidéo après. C'est comme ça, si ça saute, si t'as un bug, tu perds que 5 minutes. Après moi je préfère les vidéos qui filment en un seul, mais c'est vrai que si t'as un bug, comme ça t'as pas tout perdu. Là ça fait plein de petits bouts de 5 minutes et tu les recolles ensemble après. Ah, il y a un gamin là-bas. De quoi ? Il y a un petit là-bas caché dans le sapin. Ah ouais. Pas que je le dégomme. Ça dit quoi ? Pas que je le dégomme. Si. Tu m'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Je demandais si t'avais. Si tu parfois tu demandais et dans tes vidéos tu fallais ça. Bouge pas. Ah, la tête. Non, bon après ça ils le savent. Hein. Pas peine de répéter sans arrêt. Hein. Abonne-toi, like les vidéos. Comme Michou, il le répète sans arrêt. Mais tu vas me tuer en fait. Non, ça serait déjà fait sinon. Ah, c'est méchant. Mais c'est un fait, c'est pas la méchanceté. C'est la preuve que je veux pas te tuer. Non, c'est l'inverse. C'est pas de la méchanceté, c'est de la gentillesse. C'est la preuve que je veux pas te tuer. Si je te dis ça serait déjà fait sinon, ça veut dire que je veux pas te tuer. Il faut juste faire attention parce que des fois il y a le chien du gars qui est là, il se promène tout seul, il fait ses crottes là. Pas que je t'en balance une. De quoi ? Justement, pas que je balance une crotte. Non, moi je voulais dégommer la motte là-haut, là. La grosse touffe. Ah, en tout cas, c'est génial avec ses pneus. Hein. Je suis super content de ces pneus. Je m'amuse comme un cochon.
ça ce que je te dis, mais c'est là à chaque fois que t'arrêtes la ouais. flamme. Ouais. Ça fait une vidéo différente. Ouais. Ça fait pas 5 minutes. Oui, non, là, c'est maintenant si je filme 20 minutes, elle fait 4 fois 5 minutes. Après, si je coupe et je rallume, ça recommence une boucle. Ah oui. D'accord. Mais ça... du coup, après, tu pourras tout assembler pour en faire une entière. Ouais, c'est ça. Ok. Bah là, je fais par véhicule, tu vois. Je vais faire des... chaque voiture que j'ai roulée, chaque... tout le long de la batterie, ça sera une vidéo. En tout cas, je les ai bien collés les pneus, ils bougent pas. C'est cool. Regarde maintenant, tu vois, regarde. Celui-là, il s'est rempli d'air. Et l'air est pas sorti, regarde. Tu vois ? Comment tu le fais ? Bah regarde, il est gonflé. T'as vu ? Là, tu vois, là, l'air, elle est sortie, mais là, non. Il y a de l'air qui est rentré, mais qui est pas sorti. Je fasse un petit trou dedans. Là. Ah non. Non mais. Ouais, pour l'instant j'en ai pas encore fait. Ça là, se fait. Là, là, là. Quand t'as les pneus qui ballonnent trop. Ah vas-y, mais à chaque fois c'est de reflet. Non, c'est juste un reflet. Mais tu vois, si t'entends pas l'air qui sort. Ah bon, on verra ça. On va faire un petit trou dedans pour laisser sortir l'air. Je fais ça tout le temps en fait. J'adore ça. Je me le fais même à moi-même. Maintenant je m'en fiche que je me rétablisse. Je fais tout pour lui échapper à cette voiture. Tu vas même plus réussir à m'avoir. Après je le fais pas partout, ça dépend. Là je sais qu'il n'y a pas de petits cailloux ou quelque chose, tu vois. Oui. Si tu le fais là où il y a des cailloux, ça craint. Ouais, ça aussi, l'habitude. Mais je sais pas, moi je pensais que quand tu t'es filmé, tu te sentirais plus... Non. Non, mais là, après, avec les GoPros, c'est différent parce que t'as pas l'image, tu vois pas. Tu vois juste l'objectif, mais tu vois pas... tu vois. Si maintenant je te mettais un grand écran sur ma tête où tu vois, tu te vois dedans, ça te ferait bizarre, ouais. Ouais, mais c'est pareil, c'est... Ça... Mais il faut pas, justement, il faut rester naturel, c'est là que c'est mieux. Tu restes comme t'es et c'est nickel après. Moi, les trois quarts du temps, c'est avec ma pote où on fait les tarés. Raté. Quoi, raté. J'ai raté le ballon. Je voulais lui tirer et lui ramener, mais... Je suis passé à côté. Tu vas plus réussir à m'envoyer de l'herbe. Ah, ça y est, la batterie vide. Bon, bah là, je me suis amusé comme un cochon. Hein. La vache. C'est bien marré. Et là, on a fait quoi, 18 minutes. 18 hein. Ouais, mais en restant toujours. Mais tu je vois. Pensais quand même qu'on irait au moins jusqu'à 24. Là. Mais après, là, là, si tu roules normalement, oui. Il y a moyen de faire 20-25 minutes sans problème. Mais là, je roule comme un sauvage. Je suis tout le temps à fond sur les gaz presque. J'accélère, je freine, j'envoie les flips. T'as arrêté la... Non, pas encore. Ah. On va aller checker la température à l'intérieur aussi. Eh, vous avez vu les gars, il a capté direct le truc, il a pas juste tiré sur la boucle, il a poussé. Parce qu'il y en a plein, ils galèrent à les enlever. Ah non, mais moi j'en ai. Oh, regarde, on a des petits cailloux. Le petit poussé nous a laissé des cadeaux. On va déjà enlever les feuilles. Ça va, elle est pas trop. Ouais, beaucoup, hein. Ça va, ça va. Alors, température. J'ai le doigt dessus. Il est moins chaud que les deux autres. Bon, après, j'ai plus d'air qui passe là. Les autres sont plus fermés. Et les batteries. Celles-là, elles doivent être tranquilles à 45. Boum. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais. Hein, parce qu'après, ils disent toujours je suis un bourrin. Moi, je sens rien. C'est normal. Je dis toujours c'est pas chaud, mais c'est chaud. Là, par contre, si tu mets le doigt, fais doucement. Tu mets juste un petit peu, essaye. Ouais, c'est essaye pas... un peu plus longtemps pour voir. Enfin, si tu peux, j'ai pas dit de te brûler. Hein. Mais ça va, ça va. Quand j'étais petit, je me suis brûlé le pied, donc je sens moins la chaleur. En fait. Donc t'es pas une référence, quoi. Non, c'est ça. Bon, bah, les kikis.
On va aller monter les Louise Bay Pirate, Truggy Pirate. On va pareil, on va laisser refroidir comme les autres. Entre-temps, on va faire un petit tour avec le Yikong avant de remettre une couche à celui-là. Ciao les kikis.